Bonsoir à tous. Alors moi je suis Audrey, je suis développeur Java chez Sphere, et là vous me dites pourquoi elle m'a mis une photo où elle a 8 ans. Et bien parce que quand j'avais 8 ans, j'étais déjà développeur. En fait, j'avais la chance de bénéficier du programme informatique pour tous, n'est-ce pas? Et donc une fois par semaine, j'allais dans l'école, une école de la ville où il y avait une salle informatique, et j'avais une super dame qui d'ailleurs m'apprenait à faire du logo, la petite tortue, je sais pas, ça me rappelle peut-être des souvenirs à certains d'entre vous. Ouais, yeah. Voilà, et j'adorais ça, c'était mon cours préféré. Et ben moi, à 8 ans, j'aurais bien aimé faire de l'informatique à l'école, il y avait les ordinateurs, mais ils ne marchaient pas. Donc quand mon papa ne pouvait pas aller les réparer, je m'amusais un petit peu toute seule chez moi, parce que mon papa, il était quand même un petit peu geek, et il avait un ordinateur, un petit livre de turbo basique, et du coup je commençais à ouvrir, et je faisais des petites rosaces comme ça en turbo basique. À 8 ans, donc j'avais quand même de quoi m'amuser un petit peu. Ça rappelle des souvenirs aussi par là-bas. Et pourtant, j'ai bien failli pas être développeur. Parce que, vous voyez, 14 ans, j'ai eu mon premier PC, parce que mon papa, il n'était pas dedans, mais il était un peu à fond aussi, donc ah, il m'achète le PC, je passe mon temps dessus, je bidouillais, et puis j'arrive en seconde. En seconde, c'est le moment de l'orientation, on commence avec les options, tout ça. Et là, il y avait une option informatique. Je me suis jeté dessus. Ouais. J'ai bien fait de voilà. Donc, fin de l'année de seconde, alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire comme école? Quand c'est tout ce qu'on vous a donné comme vision d'informatique, ça donne pas tellement envie. Hein. Donc voilà, j'ai pas fait d'études d'informatique. Quant à moi, j'avais trop envie de faire ça, parce que vu que j'avais plein de potes au collège, et ben je passais mon temps enfermé dans ma chambre à pianoter sur mon ordinateur, et j'avais installé Linux en 5e et tout. Et donc j'ai dit à Anne-Charlotte Delatour, conseillère d'orientation, qui était venue nous faire sa petite présentation de métier, que je voulais faire de l'informatique, j'avais cherché, ça s'appelait analyste programmeur. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Dans un commentaire, m'a dit, ce n'est pas rigolo. Voilà. Alors, tout est bien, tout est bien. Je vais quand même rentrer dans le droit chemin. Je vais reprendre une formation. Je vais rentrer chez Sphere. Je vais rencontrer Aline. Alors là, c'est voilà, le début du bonheur. Hein. Et un jour, un jour, je débarque dans le bureau de Grec, comme elle adore ça. Voilà, je me regarde avec un grand sourire. Et je lui dis que j'ai une idée. En fait, moi, j'avais des collègues par là, qui avaient commencé à faire des coding goûter avec leurs enfants. C'était plusieurs papas comme ça qui avaient envie de se retrouver et de réapprendre à coder à leurs enfants. Et du coup, j'ai dit à Audrey, viens, on n'a qu'à faire ça. Et elle m'a dit qu'elle était contente et que c'était une bonne idée. Non, tu m'as dit, il y aura des bonbons, et j'ai dit oui. Voilà, ça, oui, comme ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a fait notre premier atelier chez Sphere en mars 2012. Tout le personnel de Sphere, leurs enfants, ils sont tous venus, c'était super, on avait mis des bonbons, des trucs. Et ils sont éclatés, on s'est rendu compte qu'en fait ça marchait super bien. On a amené un petit peu d'outils qu'on vous montrera tout à l'heure, et sur lesquels donc voilà, on a pu vraiment s'amuser et ils ont pu apprendre des choses. On était trop contentes. On était contentes, mais il y avait quand même un truc qui nous gênait. Dans le groupe, on avait notamment deux petits clous de 14 ans. Forcément, ça nous a un petit peu rappelé les choses, ça. Et en fait, quand on leur demandait, alors en informatique, tu connais quoi? Attends, c'est bon, quoi, je vais le dire. YouTube, Facebook, c'est bon. Ouais. Et tu sais qui y a derrière YouTube, Facebook? Bah, il y a des gens comme nous. Alors là. Ah bon? Ouais. Et donc, avec Aline, on s'est quand même dit, il y a un gros problème. Si nous, dans les années 90, on avait accès à ça, et qu'en 2002, elles n'ont plus accès, en 2012, parce que c'était en 2012, il y a quand même un petit problème, parce qu'entre deux, l'informatique s'est généralisée, il y a de plus en plus de salles, l'informatique, c'est pas comme à l'époque, où moi je devais aller dans l'école d'à côté, au dessus de la classe d'Aline, c'était, voilà, c'était l'exception. Non, maintenant il y en a quand même de plus en plus. Et pourtant, maintenant, ils font quoi? Ils font Internet et toujours Word et Excel, des valeurs sûres. C'est pour ça que là, on s'est dit avec Audrey, là, il faut qu'on aille un petit peu plus loin que simplement faire des ateliers entre nous ou avec des enfants de développeurs. Et on s'est dit, voilà, il y a une vraie nécessité de remontrer aux enfants ce que c'est l'informatique, la programmation et les programmes et les machines, d'arrêter de consommer bêtement des trucs qui nous arrivent comme ça et de redevenir acteurs et de prendre le contrôle de la machine. On a lancé un projet.
D'abord, ça fait chier d'autres choses. On a dit, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on joue un rôle dans l'évolution de l'apprentissage. Aujourd'hui, on apprend plus le code à l'école, on veut savoir pourquoi, on veut essayer de faire retourner ça. C'est pas évident, mais en tout cas, c'est notre objectif. On veut transmettre notre passion, parce qu'on est des grands passionnés qu'on aime depuis toujours. Et pourquoi pas, mais ça, c'est vraiment au cas où, une fois que tout le monde sait ce que c'est le métier de développeur, pourquoi pas susciter des vocations là. Ouais, parce qu'on a quand même un petit problème, je pense, dans l'informatique en général, hein, des développeurs en particulier, c'est que on a une image vachement d'allemand. Je sais pas si ça vous arrive, hein, mais moi quand on me dit toi tu fais quoi dans la vie, alors moi je suis super contente, je suis développeur logiciel. Et là on me regarde, ah ouais, t'es handicap en fait. Petit sourire un peu gêné, ah, pas de vie sociale. Ah. Bah non, ça va, tout va bien hein, en fait. Je m'éclate dans mon métier et je fais un métier que je trouve absolument génial, qui a un potentiel de folie. Et pourquoi vous me regardez avec des yeux comme ça? Ah, c'est peut-être à cause de la super fiche de l'UNICEF. Parce que ça, c'est la fiche de l'UNICEF. Alors, c'est plus analyse programmeur. Ça, ça va, ils ont suivi, ils sont au bout du jour, mais c'est pas très, très vendeur. Hein. Le texte, quand j'étais au collège, c'était le même. Voilà. Donc, on s'est dit, c'est peut-être une occasion de faire changer les choses là-dessus aussi. Et c'est pour ça qu'on est retourné à l'école avec Audrey. Elle était super contente. C'était le matin. Mais en tout cas, maintenant, tous les lundis soirs, on va à Nanterre. Et en fait, on a eu la chance de rentrer en contact par le biais du footing matinal avec le quartier, donc les responsables du service des sports, du quartier du parc à Nanterre, qui sont aussi, qui font des ateliers après l'école. Et en fait, tous les soirs, ils ont plein de trucs. Ils faisaient un atelier multimédia, ils faisaient du YouTube et du Facebook principalement, qu'on a repris et sur lequel on s'est mis à faire la vraie programmation tous les lundis. Voilà. Alors pour ça, bah, on a repris des outils qu'on avait déjà testés. Tu vois que j'ai des fans dans le fond. Et on sait que ça fonctionne très bien. Il y a Scratch notamment. Scratch, si vous ne connaissez pas, c'est... pour moi c'est l'outil magique. Je pense que tu es d'accord avec ça parce qu'en fait, il fonctionne avec tous les âges. C'est en fait un éditeur avec des blocs d'instructions. Il y a différents types de blocs. Il y a de l'affichage, il y a du son, il y a des choses comme ça. Et avec ça, ils vont construire des animations. Donc ils ont très très rapidement un résultat concret, ils adorent, ils sont super fans. Ils peuvent faire des jeux même, c'est vraiment puissant. On fait du son le basique aussi, parce qu'en fait ce qu'on va essayer de faire c'est progressivement d'amener un petit peu de complexité. Donc small basique, on commence à leur faire taper du code. Et puis entre deux, on leur fait faire un petit peu d'algo aussi. Donc on le fait plutôt avec des jeux, on l'a fait avec l'iPod. D'ailleurs hier, ils étaient scotchés, on ne pouvait plus les enlever du PC. On le fait avec Robozol, des choses comme ça. On a fait du Kids Ruby aussi, je pense que là, sur ce semestre, on fera du code combat. Et on a même eu la chance d'avoir Aldebaran qui est venu avec un développeur, deux Nao, et là, c'était la folie dure. On a aussi, cette année, en fait, commencé à écrire des choses. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tutoriels, des trucs qui existent, donc on a commencé à écrire des petits tutos. Donc on a quelques petites étapes déjà, on fait un peu sur notre temps libre quand on peut. Et en fait, donc voilà, c'est avec des objectifs, en mettant un petit peu les étapes à suivre pour pouvoir réaliser des choses qu'on fait en scratch, en small basique, on va avancer un petit peu là-dessus. On a envie d'ouvrir, de le partager à tout le monde, de faire en sorte vraiment que ce soit diffusé. Voilà, parce que la suite, ce qu'on fait, ça nous éclate, hein, notre atelier avec les petits Nanterre, c'est génial, sauf que Nanterre nous a dit « ça serait bien si vous pouviez en faire 5 autres !» On a un tunnel, on est toutes les deux, et on est bénévole. Donc voilà, on voit aussi qu'il y a de la demande, on a des gens. Et pour information, les ateliers sont ouverts, donc si vous voulez venir voir comment ça se passe, vous êtes les bienvenus. Vous nous contactez à notre adresse mail qui est programmatou@sphere.com et vous pouvez venir assister, il n'y a aucun problème. Donc on a des gens comme ça qui régulièrement nous demandent soit des intros pour démarrer, soit qui viennent assister à un atelier, et c'est aussi notre objectif, c'est de les accompagner. Donc c'est pour ça qu'on va notamment diffuser les ateliers qu'on a préparés. Et puis on lâche rien, on va faire revenir le code à l'école, on est décidé. Yes. Voilà, et puis bah, du coup, alors pour Ramatou, vous l'aurez compris, c'est plutôt pour les centres de loisirs, école, machin, mais c'est vraiment d'aller là où on ne connaît pas, en dehors de notre terrain de développeur. Au niveau de la communauté, il se passe des tas de choses en ce moment. Il y a toujours les papas du coding goûté qui sont là, qui font des tas de choses, ils font plein d'ateliers partout. Codeur Dojo, c'est européen ou même mondial, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est des ateliers qui se regroupent. Il y en a un qui vient de se créer à Paris. Kids Coding Club, celui-là, je vous rappelle, Magic Makers. Devox Parties, Magic Makers. Et puis, bah, une initiative qui vient de débuter qui s'appelle Je Code,
Vous pouvez taper jeucode.org et en fait c'est un gars qui a repris tout ça et puis qui nous a tous regroupés et puis qui fait des tas de choses super. Donc on nous a dit c'est bien ce que vous faites, maintenant vous allez échanger. On va vous mettre dans le bocal en plus. Il nous a pris la secouée, donc du coup il se passe aussi des choses sur jeucode, donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Voilà, parce que c'est sûr que bah, si on compte sur une Charlotte de la Tour pour dire aux enfants que le métier de développeur c'est génial, on va attendre longtemps. Donc on attend. Voilà, merci. De toute façon, oui, enfin... Ça va arriver. En fait, on n'a plus pour l'instant qu'une seule journée pour faire. Donc on a écrit des Google Docs. Il faut après qu'on prenne un peu de temps pour le mettre partageable et réfléchissable. Voilà, de manière générale, en fait, il ne faut pas forcément se reposer sur nous. Si vous avez envie de faire des trucs, faites-le. Il y a jeucode.org, ils ont plein d'idées, donc moi j'arrive pas à les suivre, ils ont votre mail. Mais ils veulent faire une publication, petite revue trimestrielle. Petite revue trimestrielle, un truc comme ça, thérapie pour les enfants. Donc, en fait, foncez. Venez vers nous, on saura toujours vous dire, ouais, tu peux aller là, tu peux aller là. Mais foncez, attendez pas forcément, vous pouvez venir voir ce qu'on fait, ça c'est avec un grand plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas non plus à vous lancer. Et en tout cas, les tutos, on a 2 sur Scratch, 3 sur Smart Basic. J'en ai fait un spécial sur les positions X et Y dans un plan, parce que ça, c'est des trucs un peu chiants. Donc après, bah, tout le reste, vous pouvez y aller. Moi, je voulais dire, c'est une très bonne initiative. Ce que vous avez dit au début, ou avant, je chipotais sur l'ordinateur, maintenant, c'est plus possible, ou à l'école, enfin, je suis sûr que je suis pas... Moi, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Je suis sûrement pas le seul dans la salle. Donc, je veux dire, votre initiative, je veux dire bravo. Merci. Et vous avez des enfants de quel âge? En fait, on a 2 groupes, parce qu'on a eu un groupe sur le premier trimestre, on avait du 7-10 ans. Donc là, c'était un petit peu chaud à gérer, parce que pour les petits de 7 ans, bah, Scratch, ça allait bien, Small Basic, ça a commencé à se compliquer, Kids Ruby, waouh, on a bavé. Là, on est un petit peu plus homogène, on est sur 8-10 ans, et du coup, c'est mieux équilibré pour avancer bien en groupe. Et c'est assez rigolo, parce que là, on a 8 filles. Paf, ils sont 12, 8 filles. Donc, et en fait, on a, ouais, en gros, notre atelier, il est ouvert au CE2, CM1, CM2. Voilà, ils le répartissent comme ça après. Et concrètement, les sessions, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont un cours visuel sur fond? Ouais, alors en fait, on travaille essentiellement avec des outils qui vont nous permettre d'avoir un retour visuel très rapide, parce que sinon, l'enfant a besoin de ça. Il a besoin d'un truc qui soit identifiant. Ce qu'on fait, c'est qu'on monte en complexité. Par exemple, les 3 premiers ateliers, le tout premier, c'est découverte de Scratch. Et là, on les lâche et on les laisse bidouiller. Et puis, nous, on est juste là en support, on fait des petites suggestions. Bah, tiens, si tu essayais de, le faire rebrouiller sur les bords. C'est le logo avec le petit chat, c'est celui avec les briques, en fait. Les briques d'action. On avance, tourne à gauche, tourne à droite. Voilà. Et puis après, c'est quand j'appuie sur le bouton machin, il se passe ça. Et puis t'as les costumes, et puis t'as les sons, donc tu peux vraiment faire plein de trucs. Et puis par exemple, la leçon numéro 2, c'est bah, aujourd'hui, donc on va faire un jeu, alors vous choisissez 2 personnages, enfin un personnage et puis un ballon, le ballon il va rebondir, et puis après le personnage il attrape le ballon, etc. Et on va essayer de faire monter la difficulté comme ça. Et entre deux, il faut mettre un petit peu d'algorithmie, donc voilà, on essaye toujours par le jeu, et quand c'est pas par le jeu, c'est d'avoir un résultat visuel. Voilà. C'est pas vraiment une question, c'est un complément. Je me suis posé une question pour ma fille et je me suis inscrit pour le projet qui s'appelle Kano, je sais pas si vous connaissez. K-A-N-O. Kano.me, qui est un projet qui a démarré sur Kickstarter il y a de ça quelques mois maintenant. Le projet a complètement explosé, c'est-à-dire qu'ils ont, demandé 100 000 dollars, ils ont obtenu 1,5 million. L'objet est un peu similaire, c'est-à-dire quand on parle de Scratch, que je connaissais pas que c'était Scratch, mais des screenshots me font penser qu'il y a du Scratch à l'intérieur. En fait, l'idée c'est quoi? C'est un PC, un clavier avec une box Raspberry Pi à brancher sur la télé, ça coûte genre 100 dollars.
Oui, et ça permet d'initier les enfants voilà, avec un matériel assez peu coûteux et un genre de ouais. Vous parlez de ça, de toute façon je l'ai commandé, j'attends c'est la livraison au mois de juin, j'attends ça avec impatience. Ouais. Et c'est clairement, enfin, Google par exemple a payé en Angleterre, a offert des kits Raspberry Pi à toutes les écoles en Angleterre, parce que ça coûte que dalle, et c'est un bon moyen pour commencer. Sachant qu'en plus, il y a a priori le moteur de Minecraft qui est collé avec Scratch, j'ai mis manifestement pour faire des algos directement dans Minecraft. J'ai pas d'action sur Kano, je vous en parlais, c'est vrai que c'est quand même très similaire. Nous, on est aussi en contact avec une association qui s'appelle OLPC France, c'est One Laptop Per Child, qui fait plutôt des trucs pour l'Afrique, machin, les pays, tout ça, et qui se demande un peu en France bah, comment faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener ça. On a commencé un peu à discuter avec pour voir que ça avait les possibilités, c'est un peu pareil, c'est leur vie à je sais pas combien de dollars, un petit truc comme ça, un petit portable que tu peux jeter par terre comme ça. C'est parfait. Mais voilà, il y a plein de c'est vrai qu'après. Et parmi les 12 enfants que vous avez dans le groupe, ils sont venus de même, ils sont 40 ans d'entrée. Qu'est-ce qu'ils ont motivé initialement? En fait, c'est à la base, si tu veux, à Nanterre, c'est les ateliers après école, c'est ouvert à tout le monde. Donc il y a un jour d'inscription où tu peux t'inscrire à tout. Mais en fait, il n'y a pas trop foot, machin, c'est plutôt archéologie, machin, c'est vraiment des activités dans ce style-là. On a un petit peu la moitié, je dirais. Moi, je les ai vus arriver. Il y en avait qui adoraient ça, qui étaient là, ah, moi j'adore les ordinateurs, je veux faire de l'ordinateur et tout. Donc, ça, c'est les gamins qui arrivent en courant comme ça, les premiers, pour être sûr d'être inscrits et tout ça. Et puis, il y en a aussi, c'est vrai, c'est un petit peu le travers de la chose. Et on l'a vu aussi quand on a fait nos ateliers, plutôt dans la communauté des développeurs et tout ça, où c'est les parents qui vont venir pour dire, bah, on veut que tu réussisses à l'école, donc inscris-toi en informatique, c'est bien ça, parce que comme ça, tu feras génial plus tard. Allez, attends. Et voilà, et c'est un travers, il faut qu'on l'explique pourquoi, c'est parce que tout simplement l'enfant va venir à Rochon et ça va pas forcément très bien marcher. On a eu une petite puce notamment sur le premier semestre, c'est pas de sa faute, mais cette gamine elle déborde d'énergie, elle tient pas 10 secondes en place, donc 1h30 d'informatique, mais c'était un calvaire pour elle. Et voilà, pour nous aussi. Hein, c'est pas grave s'ils font pas tous l'informatique, nous ce qu'on veut c'est qu'ils sachent que ça existe. Après, on ne veut pas forcément, on va pas tous être développeurs, c'est ridicule. Mais c'est un petit peu embêtant quand on a un enfant comme ça qui est amené entre guillemets de force par ses parents. Et en même temps, ça dénote une bonne intention parce que finalement, les parents, contrairement aux enseignants, n'ont pas peur de l'outil informatique. Ils disent bon, ben moi, je ne sais pas m'en servir, mais je veux que toi, tu saches t'en servir. Je veux pas que toi, tu sois aussi nouille que moi et vas-y. Donc voilà, c'est pas évident à gérer. Ouais, et juste une dernière chose pour rebondir sur l'histoire des adultes qui ont un petit peu peur de ces outils informatiques, tout ça. En fait, avant qu'on arrive à Nanterre, l'activité, comme je disais, s'appelait multimédia. Et ils faisaient du multimédia, donc en fait, ça finissait en gros bordel. Moi, j'étais allée visiter le truc avant de commencer, mais c'était tout le monde qui était sur le site qu'ils voulaient, à faire n'importe quoi, des jeux, des trucs. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment d'apprendre à toucher l'ordinateur. Quoi. Je leur ai demandé de renommer cet atelier multimédia, parce qu'on ne fait pas de multimédia, ça n'a rien à voir. Et puis d'abord, multimédia, c'était le buzzword de 10 ans, maintenant c'est du data, c'est fini. Et en plus, c'était déjà fini, je ne sais pas, c'est pas bien sûr. Ils n'ont pas renommé le truc. Ils n'ont pas renommé le truc autrement que multimédia. Ça ne rentrera pas dans l'idée que c'est de la programmation. Jamais. Ou du développement, ou ça va être leur programmation. Oui. Voilà, c'est pas vendeur, on en même. Donc je leur ai dit, ils m'ont dit, ah mais alors c'est robotique. Oui. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un gros décalage encore à. Mais en même temps, eux, ils nous ont accepté. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'aller à Nanterre, on a essayé, parce qu'on s'est naïvement dit, bon, on va essayer d'aller voir les écoles qui ont du pognon, hein, donc ils doivent avoir des locaux informatiques qui sont prêts à investir pour les gamins. Ils nous ont tous jetés, au moins trois, hein, facile. Ils n'en avaient rien à faire de notre projet. Hein. Mais ils nous ont jetés politiquement. Oui, bah c'est des mairies, hein, du 92 dans le monde. Et au final, c'est Nanterre qui a dit non, mais c'est génial votre truc venez. Donc, voilà. Est-ce que parmi les enfants, des déceptions, des désertions, quand les enfants se rendent compte que ça leur plaisait pas ou que c'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient? Alors, la petite là. Oui, mais ce qui est amusant, c'est que. La petite va voir sa musique.
En fait, de la même façon que vous, en tant que développeur, vous allez peut-être être fan de JavaScript et à ce cas-là, ça vous donne des boutons ou l'inverse, voilà, pour ne pas rentrer dans les débats fauchés, mais ils font exactement pareil en fait. On en a qui ont vraiment accroché avec Scratch et Small Basic, c'était au secours, et on en a d'autres qui étaient à fond sur Small Basic. La dernière séance, on a dit, bah, c'est carte blanche, vous reprenez l'outil que vous voulez et vous faites ce que vous voulez. Et on en a plein qui sont allés sur Small Basic et on en a un qui a été sur Pitoli. Et pourtant, c'était, enfin, il en avait bavé, mais il a dit non, je veux finir ce que j'avais fait sur Pitoli. Donc, voilà, ils vont pas, effectivement, je pense que dans le monde, on n'aura pas beaucoup qui viendront développeurs. Mais en tout cas, c'est pas tout le semestre qui sera pas passé. Il y a des, oui, il y a des séances où ils se sont, ça leur les a pas trop intéressés, une partie. Voilà, c'est jamais, chaque enfant est différent, donc chacun réagit différemment. Merci.